Ici, j'essaie de recréer, comme je recréais sur la parcelle d'à côté, c'est le futur projet, 1,25 hectare, une forêt, quoi, une forêt comestible, on va dire. Les arbres sont, c'est le cœur du système, quoi. Il y a eu un sol nu travaillé il y a 15 ans de ça, qui ensuite, il y a une luzerne qui a été implantée pendant 8-10 ans. Du coup, je suis intervenu directement et 3 ans après, il y a ça. Sans arrosage. C'était la contrainte de base, il n'y a pas d'eau. Il est hors de question de faire un forage pour épuiser la ressource en eau du sol. Il n'y a pas de bâtiment non plus à proximité. À partir de là, il faut créer un système qui soit auto-suivi. Donc un système forestier. Dans la forêt, il n'y a pas d'arrosage non plus, c'est l'arrosage naturel. En fin de compte, chaque butte est une éponge nutritive et d'eau aussi. La ligne de base, ce sont les noyers. Du coup, j'ai pris plusieurs parallèles aux noyers, quoi, en essayant de mettre un maximum d'arbres. Donc l'espace entre les arbres, il est de 6 mètres. Et entre les lignes, il y a 6 mètres aussi. À côté, une parcelle qui n'est pas du tout à moi, donc qui a par contre labouré, cover crop, travail du sol, voilà. Alors qu'on est sur 10 cm de sol. Donc il casse régulièrement des outils, quoi. Donc là, il y a 76 buttes sur la parcelle. Il y a 16 planches de semis et 9 rocailles. J'ai structuré la parcelle comme je structurerais un château fort. Voilà. Donc j'ai commencé par la parler pour délimiter la parcelle et pour commencer à installer un hôtel de luxe pour tous les auxiliaires de culture qui allaient venir par la suite. J'intègre des rocailles qui sont en fin de compte les tours de garde sur lesquelles je vais implanter des plantes aromatiques qui vont dégager des composés organiques volatiles qui vont participer à la défense de la parcelle contre des insectes qui ne sont pas désirables, quoi. Il y a des abeilles absolument partout, c'est totalement hallucinant. J'essaie de mettre de la fleur partout en permanence. Et j'ai disposé les rangées en quinconce, de manière à créer des chicanes pour le vent et de manière à créer un microclimat parcellaire homogène. J'ai implanté les fèves tout autour des arbres, comme on verra plus tard, des courgettes autour des arbres. Je cultive autour des arbres, hein. Sur la couronne de 2 mètres de diamètre, je cultive. Hein. Alors c'est pas la grande humidité, c'est sûr, parce qu'il fait quand même très très sec là, mais il faut voir le végétal comment il se comporte, là il se met les feuilles en. Hein, se protège. Mais ça reste frais et voilà. Donc on ne voit pas la terre, c'est recouvert de BRF. Puis ça sent super bon, quoi, ça sent. Voilà. Il y a des vers de terre, toujours pareil. Je cultive dans l'allée pour optimiser l'espace. Des patates agroforestières à 100%. Ça sent merveilleusement bon, ça sent le sous-bois. Il faut tout le temps alterner, c'est ce que je fais en tout cas, les couches carbonées et les couches azotées. Carbone, azote, c'est sûr, voilà. Il faut lui apporter une nourriture équilibrée. La composition, systématiquement, c'est un tapis de drêche de résidus de brassage de la bière de 5 cm d'épaisseur, un tapis de feuilles de 30 cm d'épaisseur, 10 cm de BRF minimum. Et ensuite, la laine de mouton posée à même le sol, comme on poserait une veste au sol, quoi. Voilà la bête. Le BRF se déverse plein pot dans la remorque. Et puis, une fois que j'arrive sur la parcelle, j'enlève le BRF avec la fourche à 9 dents, qui est un outil aussi remarquable. Et je dispatche ça à droite et à gauche, par-dessus les drêches, et voilà, quoi. Lorsqu'on m'appelle pour venir récupérer des feuilles, ou des branches, ou même du BRF tout fait et que les gens ne savent pas quoi en faire, je viens récupérer ça et je mets là où je dois mettre. Donc ça ne me coûte que le temps, c'est juste de la communication entre personnes, quoi. Ça arrange tout le monde, quoi. Le seul prédateur qui m'ennuie, c'est le blaireau à quatre pattes, qui vient là parce qu'il se croit en forêt, le gars. Il n'y a pas à désherber, le sol est recouvert tout le temps. Donc il n'y a pas de désherbage, en plus d'avoir un maintien de l'humidité permanent. Il y a même zéro traitement, là. Zéro traitement, je viens, les poires vont très bien, tout le monde va très bien, parce que entouré d'aquilées, formidables répulsifs pour ravageurs, il y a la menthe, il y a la mélisse, il y a la tanaisie, il y a les genièvres, il y a le romarin, il y a la lavande, il y a la santoline, il y a l'origan, il y a le thym, il y a la sarriette, enfin, c'est monstrueux, toutes les plantes aromatiques qu'il peut y avoir sur la parcelle, que j'ai implantées à des endroits bien particuliers.
Bienvenue sur le cours central de Wimbledon, revu et corrigé façon lotoise. Donc le terrassement est déjà fait, le grillage est mis en place, du coup il n'y a aucun animal extérieur qui vont venir déranger ce que j'ai pu mettre en place. Et ensuite de mettre une serre, enfin plusieurs serres sur le terrain de tennis. Et d'optimiser là aussi l'espace. Et bien, ça fait un mois et demi que c'est en place et voilà ce que ça donne. Le but du jeu, bien sûr, c'est de ne pas se ruiner, c'est de gagner quand même des ronds. Et si on n'en gagne pas, on ne pas en dépenser. Zéro pesticide, zéro engrais de synthèse, bien évidemment. Et que de la récupération de matière organique que je dispose. Il y a 2 tonnes de matériaux par but. En ayant vu que ça marchait d'un point de vue agronomique et qu'il y aurait du répondant par rapport à la commercialisation, bien à partir du mois de, je sais pas moi, d'octobre, on s'installe, voilà. Tout est en place, donc maintenant il n'y a plus qu'à entretenir. Cet espace-là est autosuffisant, autonome, nickel, parfait. Suivant.